Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 23 septembre 2020 sur l'hippodrome de Lisieux. Avant, revenons sur le quintet de début de semaine qui se disputait ce lundi sur l'hippodrome de Cran. Lors d'une arrivée compliquée à déchiffrer, si la minute quintée fait malheureusement chou blanc, Turf Sélection s'illustre de son côté en voyant son coup de poker Simano, qui portait le numéro 10 pour l'occasion, s'imposer à la cote de 39 euros tout de même. Du côté du concours de pronos gratuits, encore un joli exploit est à noter de la part d'un des participants. El Pérou donne le tiercé avec les bonnes bases gagnantes et placées pour un total de plus de 1000 points au classement général. Turfimania et Noirmout complètent le podium du jour avec le quintet plus dans le désordre, malheureusement sans les bases. Bravo à tous les trois. Allez, en ce mercredi 23 septembre 2020, nous allons avoir le plaisir d'assister à la 10e étape du Grand National du Trot. Ce rendez-vous aura lieu sur l'hippodrome de Lisieux, en Normandie, et mettra à l'honneur 16 trotteurs de grand talent. Sur le tracé des 2725 mètres de la piste à main droite, nos prétendants au titre ne se feront aucun cadeau. Théoriquement, le favori ne devrait pas manquer sa cible lors de cette course où, précisons, 8 partiront avec une avance de 25 mètres. Élite Beaufour, le numéro 2, est ce fameux favori. Présenté par Jean-Michel Bazir et piloté par Éric Raffin, il compte tout de même 17 victoires au compteur en 22 tentatives depuis le début de sa carrière. Venant de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome de La Rochelle lors d'une étape du Grand National du Trot, s'il venait à s'imposer et que ses concurrents directs faiblissait au moment du sprint final, il pourrait marquer de précieux points et s'emparer du maillot jaune de leader. Et voilà de mise, le numéro 7 vise lui aussi le maillot jaune. Déféré des 4 pieds et bien engagé ici, s'il gagne, il s'emparera de cette tunique. C'est Bélo Romain, le numéro 16, déféré des postérieurs et bien engagé au gain puisqu'étant le plus riche de l'épreuve, peut rendre victorieusement la distance ici. Fakir du Loro, le numéro 11, bien connu de nos services et courageux dans l'ensemble, visera une place dans les 4. Fashion Queen, le numéro 5, déféré des 4 pieds, maniable et pratique au premier échelon, peut elle aussi viser une place dans le quintet plus. Balzac de Liton, le numéro 15, en belle forme actuellement, aura de nombreux fans. En cas de non partant, Blackjack From, le numéro 10, qui enchaîne bien actuellement, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.